beaucoup, mes chers lions, pour votre tirage pour le mois de juillet. C'est l'oracle de la triade que j'ai choisi pour ce mois, pour le mois de juillet prochain. Je vais prendre, en fait, il y aura 5 cartes. Je vais vous expliquer. Hein. 5 cartes. Chaque carte présente vraiment un message particulier, une situation particulière. Et je tirerai après... pour une lecture plus claire, plus profonde, et avoir aussi d'autres messages pour le mois avec d'autres oracles qui sont à côté. On y va avec les lions pour le mois. Je vais mettre là de ce côté parce que ça c'est plus pratique pour les mettre en place. Alors, on va, première carte, c'est le passé récent. La deuxième, l'état d'esprit de mes chers lions pour le mois de juillet. Les obstacles. Le conseil. Et le message du mois. Enfin, la synthèse en fait. Et on va voir. On se répète, hein, comme tout, hein, pour dire que c'est un tirage général. Il peut y avoir des messages, un ou plusieurs, hein, qui peuvent vous guider, ou vous concerner, vous toucher, voyez. Et là, c'est bon. Si il n'y a rien qui se passe, ben, vous regardez pour votre ascendant, ou voilà, il y en a d'autres... bien sûr, hein, d'autres chaînes, je suis sûre que vous êtes aussi abonné ailleurs, et c'est là où vous trouverez votre bonheur. On y va. Passé récent, mensonge, qu'est-ce qui se passe, mes chers lions? Il y a une révélation d'un... La révélation d'une situation mensongère. Ou c'est vous. C'est vous que... soit c'est vous, soit une personne. Et vous retrouvez dans une situation embarrassante par rapport à ce mensonge. Vous vous cachez derrière quelque chose. Vous avez envie de fuir, ou vous fuyez de vous-même ou d'une situation. Il y a une fuite en fait, une fuite. Et ce que je ressens, c'est que vous ne pouvez pas rester sans agir ou sans prendre une décision particulière pour vous en sortir, hein, mes chers lions. Là. Je ressens ici il y a une peur par rapport à une situation. Et vous préférez vous mentir à vous-même, ou il y a une peur, oui, une peur qui... une peur, cette peur agit sur la façon d'aborder les choses. Une peur d'affronter quelque chose, ou une situation, ou quelqu'un. Donc, on préfère se cacher, ou on préfère mentir. Donc, c'est le passé récent, sur le passé, là, récent, avec le mois de juillet, on se voit la face, en fait, hein, on verra. Je vais tirer après d'autres cartes. État d'esprit. Alors, l'état d'esprit, l'adversaire. L'adversaire. Il y a des choses ou quelqu'un ou une situation. Voilà. Il y a un événement qui... par rapport à ça, par rapport à ce passé-là, il vous bloque. Il vous bloque. Ce passage à autre chose, ce passage à une autre étape où... par rapport à quelque chose qui est en marche déjà, il y a quelqu'un ou une situation qui va vous freiner en fait, qui va vous empêcher d'avancer.
Soit c'est financé, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui vous décourage en fait. Hein. Ou une relation, soit professionnelle ou sentimentale, ou n'importe, qui ne vous encourage pas à avancer. Et c'est pour cette raison que vous avez envie de cacher les choses ou de nier. Nier une réalité, une évidence. Et ça peut être l'adversaire vous-même, hein, par rapport à cette situation, l'état d'esprit. Vous êtes en fait là dans un affrontement ou dans un état d'esprit de combat aussi, avec tout ce qui va vous bloquer sur le chemin là, pour avancer, hein. Ça peut être aussi j'ai perdu. Ben, on va voir. J'ai perdu. J'étais en train de penser en même temps à autre chose. Obstacle. Le sceau. Le sceau, le contrat, la signature, l'engagement, le document, les choses, l'approbation, en fait. Oh, comme je travaille en anglais, là, j'ai des mots en anglais en même temps. Approvement. Donc l'agrément, en fait. L'agrément par rapport à ce que se passe là. C'est pour ça que vous êtes face à un mur. Face à un mur. Un mur. Donc l'adversaire, ça peut être aussi quelque chose de matériel, hein, financier ou un employeur, un responsable qui vous décourage en fait pour faire avancer les choses. Donc il y a une situation, il y a un affrontement à faire, hein, à mettre en place pour en fait concrétiser. C'est ça l'obstacle, c'est vraiment vous avez besoin de l'approbation, de l'accord, l'agrément là. Le conseil, tentation. On vous dit, bah voilà, il ne faut pas lâcher, il faut tenter une fois. Même si les choses sont bloquées quelque part, ce sera momentané. Il ne faut pas laisser passer cette occasion ou aussi se décourager. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut tenter encore une, deux, trois fois, voire plusieurs fois. Jusqu'au dénouement, en fait, jusqu'à ce que les choses s'ouvrent et que les choses se fassent hein, d'elles-mêmes après. Hein. Prenez le risque, hein, tentez, même s'il y a quelques freins qui peuvent vous empêcher d'avancer. Hein. Là, il y a la tentation et c'est le conseil. Hein. Et le message du mois, l'eau, la fluidité. Ayez confiance dans vos objectifs, dans vos projets. Ayez confiance dans la fluidité de ce qui va se passer. C'est comme l'eau, hein, qui va transporter les éléments vers le but choisi. D'accord? En fait, les choses vont s'améliorer, vont progresser d'elles-mêmes. Donc là, ce qui vous bloque et ce qui vous empêche d'avancer, ben, ce sera votre combat au mois de juillet. Donc il ne faut pas hésiter à taper à toutes les portes, à faire appel à toutes les aides, à tout conseil, à y croire aussi en vous et croire à ce que vous avez envie de réaliser. Mais là, je pense, là, l'état d'esprit, il y a quelque chose que vous avez ignoré, hein, que vous avez ignoré, ou par peur, ou par par peur de faire peur aux autres, ou par peur aussi d'affronter une situation. Et là, on dit, bah non, il faut.
continuer dans votre camp bas. Je ne veux pas baisser les bras. Alors, on va voir le passé récent par rapport au mensonge. Quel est le message pour mes chers lions pour le mois de juillet? C'est quoi le mensonge? C'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Que vous cachez derrière quelqu'un ou derrière une situation. Vous n'arrivez pas à affronter une situation là ou quelqu'un. L'administratif. Il y a l'administratif. Ouais, il y a des papiers, des documents que vous avez négligés peut-être ou que vous avez peur de saisir le côté administratif, le côté pouvoir, le côté autorité. Peut-être il y a vous avez lancé là, vous avez tenté et que peut-être il y a des empêchements au niveau administratif, au niveau document, ou voilà, il y a des choses qui sont imposées par l'autorité. Et peut-être aussi par l'autorité, je vois l'enfant là. Vous avez tenté de faire les choses, peut-être par rapport à votre enfant, si vous avez des problèmes la garde d'un enfant ou l'école, il y a des choses, il y a plusieurs lectures possibles, carrément par rapport à un enfant ou par rapport à un projet nouveau. Vous avez lancé les dés, vous avez tenté votre chance, mais il y a des blocages ou vous avez triché peut-être aussi avec l'administration. Donc c'est ça qui ça peut être le mensonge, il y a une tricherie. Vous avez tenté de tricher ou de contourner en fait les étapes et de raccourcir en fait, de faire vite peut-être. Donc là, on vous dit attention. L'état d'esprit, il y a plusieurs, comme j'ai dit, hein, ça peut être par rapport aussi aux enfants, qui fait affaire aussi, comme j'ai dit, la scolarité, la garde, il y a des choses, il y a plusieurs lectures possibles. L'état d'esprit, un changement. On se rend compte. On prend connaissance des choses. Hein. Il y a l'état d'esprit évolue, progresse et vous prenez conscience de l'importance de certains éléments et on les affronte. D'accord? On ne fait plus l'autruche. La lune. Ouais, il y a des indices. Donc là, il y a le changement aussi, la confrontation, elle se fera aussi par l'aide de votre intuition aussi. Hein. Faites confiance, c'est ça, le poisson et le profond. L'adversité aussi, ça peut aussi, ce qui vous empêche d'avancer aussi, c'est le côté financier. Et ça vous a fait... ça vous a fait reculer un petit peu ou hésiter ou un doute, mais là on vous dit bah cherchez d'autres solutions alternatives. Il y a un changement qui peut se faire côté financier aussi, je pense peut-être par rapport comme j'ai dit l'enfant, par rapport à la garde, il y a une pension à verser ou aussi des financements à mettre en place aussi. Hein. Ça demande aussi des financements par rapport à un projet aussi pareil. Donc là, on vous donne une autre alternative qui est possible en allant chercher plus profondément la cause. C'est vraiment cette cause-là qui vous empêche d'avancer. Je pense qu'il y a d'autres éléments. Et c'est là à vous de voir. L'obstacle, on va voir le saut là, l'obstacle. L'obstacle du moi. L'obstacle de vos
de votre avancée. Ah, l'obstacle, il y a la chance. Il n'y a pas d'obstacle, il y a l'intuition qui revient. Bah, en fait, là, on vous dit que la chance est de votre côté. Il n'y aura pas de soucis à se faire. L'ancrage. Et vraiment y croire profondément dans votre perspective, là, dans votre projection. Y croire vraiment. Et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et écoutez ce qui se passe autour de vous. Soyez à l'écoute. Hein, soyez averti aussi par des éléments qui vont vous aider à avancer. D'accord? Là, il n'y a pas raison que ça vous empêche de... Ben, parce qu'il y a une fluidité, de toute façon. La synthèse, les choses vont d'elles-mêmes. Hein, donc, il n'y a pas de raison. Sauf que là, il faut être honnête avec les autres et avec soi-même par rapport à ce qui se passe. Le conseil du mois, on va voir le conseil du mois. Donc, et c'est pour n'importe quel projet, hein, sentimental, professionnel. Bon, là, c'est général. Ça peut être aussi quand même les sentiments aussi. Hein. On est dans l'envie de s'engager, mais il y a des choses à régler déjà. Ah, le conseil. Se battre, tenter, se battre, discuter et ne pas se laisser faire. Hein, là, il ne faut pas se laisser faire. La Vierge, là, limite, voilà, peut-être même faire appel à la justice si on vous fait, voilà, l'autorité, l'autorité, être autoritaire et être dans la revendication forte de vos... Ben, c'est pas l'agressivité, mais bon, se battre, ne pas se laisser faire. Il y aura des discussions aussi, hein. Il y aura des disputes peut-être aussi, hein, même, hein, sur ce... Ah. Ouais, parce que... Il y a la montagne, hein. Il y a la montagne, le choix à faire, et l'écriture, la lettre, la communication. Donc, allez jusqu'au bout. Montez cette montagne, cette difficulté, elle est au bout. Elle est au bout, elle est dure, certes, pour la monter, pour la surmonter. Mais sur votre chemin, il y aura une ouverture. Vous l'aurez, vous allez le voir. Il y a la lumière au bout de votre chemin qui va vous guider. Parce que là, déjà, on a vu. Hein. Et exploitez les documents qui vous seront communiqués. Le message du mois, les documents ou les informations, les messages, les mails... Déchiffrer derrière, ce sera là votre guide et vos guides et votre intuition qui va vous guider aussi sur pour comprendre la situation. Le message du mois, bah, il y a l'encre qui ressort. Donc là, comme j'ai dit, je le voyais que le processus, j'adore le mot processus, vous conduit vers la solidité, c'est vers vraiment l'ancrage. Mais tenir bon, il faut tenter toutes les portes, toutes les occasions, toutes les solutions possibles qui se présenteront. Bah, après, il faut faire le bon choix quand même. Ah, le contrat, la loupe. Bah, voilà, chercher le message du mois. Analyser, fouiller. Franchement, là, il y a pas mal de conseils pour vous, les lions. Hein. L'ancrage et l'alliance, elle est là. C'est vraiment du solide. Relation sentimentale, relation professionnelle, projet. La stabilité, elle est au bout, mais à condition de bien faire vos recherches, de bien planifier, de bien analyser. Les documents en main, voilà, les éléments qui sont autour de vous, les informations, prenez conseil, voilà, détectez les signes, les alertes, soyez en alerte de tout, soyez en alerte. Après, vous serez guidé. Voilà, j'adore, moi, j'aime bien. Alors, les messages du mois, pour encore avec l'oracle G, ça me tente. Le message du mois pour les lions, qu'est-ce qu'il y a d'autres messages?
Après, on fera pour les célibataires l'amour, parce que là, ça reparle aussi de l'amour. Pour les célibataires, s'il y a une rencontre. Non, là, un message du mois, en général. Hop. Là, les messages, ça a bien sauté. L'argent. Il y a question finance qui se tient soit une rentrée, soit une sortie. Hein. On a besoin d'investir. Ou le résultat, c'est que il y aura un gain. Donc, hop. Non. Allez, j'arrête. Sinon, je suis longue, moi, pour mettre. J'aime bien quand ça saute, j'attends que ça saute, mais après, je peux les chercher quand même. Fini. Alors. Non, c'est mal fait. Je refais. On attend un autre message. Pour mes chers lions pour le mois de juillet. Quel est le message pour les lions pour le mois de juillet? D'autres messages, s'il vous plaît. Ah, l'accord. Eh bien, on va trouver un accord pour une question financière, une question de revenus, une question de pension ou n'importe avec un homme. Donc, il y a l'homme, soit brun, je ne sais pas, il était comme ça, peut-être un blond, ben, un homme d'un certain âge. À partir de 35 ans, un adulte, voilà, pas un jeune adulte, mais plutôt, voilà, à partir de 35 ans, il y a un accord, une association, ou pour une relation amoureuse, ça peut être aussi avec un homme sur la gestion du patrimoine. Vous allez vous mettre d'accord. Donc là, il y a un accord qui va se faire. Au mois de juillet, vous allez être. Il y a un compromis aussi, hein, un compromis pour se mettre d'accord sur la gestion. La gestion de ce projet, ou la gestion d'un foyer, ou n'importe. Mais vous serez d'accord, c'est ça ce qui est important. Il y aura une égalité, une équité dans cette gestion, c'est bien. Ou dans l'accord aussi avec la banque, peut-être aussi, hein, pour attribuer avec un banquier, un crédit. Donc, il sera accordé. L'hiver, patrimoine, l'écureuil, donc c'est vraiment les finances. On a aussi, je pense, on va aussi chercher le financement dans vos épargnes, dans l'épargne. Où vous avez pensé à épargner depuis l'hiver, hein, ou pensez voilà, à faire mettre en place aussi de l'épargne. Voilà, les chauves-souris, ça va pas. Il y a transformation. Je vois comme quelqu'un là, comme vous voyez, tout de suite j'ai vu chauve-souris vampire, la vampire qui suce le sang, qui suce. Peut-être là, il y a quelqu'un aussi dans votre entourage, ou quelqu'un, un homme, qui, la lecture, qui depuis. Pour certains liens, hein, qui depuis certains temps, il est en train de gratter dans vos, de profiter de vos finances, de votre épargne. En fait, donc là, c'est un changement à mettre en place aussi. À vous de vous être alerté, hein, de faire attention. Donc un choix. Un choix qui va être félicité par rapport à cette personne ou cette situation. Ou que vous aussi, hein, vous, depuis un certain moment, vous ne faites plus attention à vos finances. Hein, vous dépensez de l'argent et là, il y aura un changement. Donc, vous serez content ou contente de ce changement-là par rapport à la situation financière. Ouais, vous allez. Il y a un grand changement pour juillet aussi. Et vous allez pouvoir aussi accorder du beau temps pour vous. Hein. C'est bien ça. Vous allez aussi. Il y en a certains aussi, lions, qui sont très. Très attentifs à leur
dépense. Et là, je pense qu'il peut y avoir aussi un changement de façon de voir la vie. On a envie d'en profiter et de faire la fête et d'en profiter. Allez-y aussi, c'est un bon moment aussi au mois de juillet, c'est votre anniversaire aussi, pourquoi pas, hein, de fêter avec les amis. Et voilà, on a envie de changer aussi la façon de vivre, la façon de voir votre vie, hein, pourquoi pas en profiter, c'est bien aussi, hein. Voilà, il y a pas mal de... Le monde de la nuit aussi, hein. Ça peut être aussi, chauve-souris, c'est le mammifère de la nuit, qui sort que la nuit, et ça peut être aussi un investissement dans des soirées. Pour certaines personnes qui vont s'orienter vers bah, peut-être un restaurant, une boîte de nuit ou un club ou n'importe, il y a quelque chose aussi à faire à la nuit. Un travail de nuit, hein, un travail de nuit où il y a pas mal. Alors, je finis, hein, je vais pas trop, je resterai des heures, hein, pour faire. Alors, un message du mois pour les lions. Igniting courage. Alors, allez-y, soyez courageux, on vous dit. Et affirmez votre force, votre courage et vos valeurs, votre personnalité et avancez. Hein. On voit là un cavalier qui n'a pas peur, qui prend la course, là, qui y va et qui s'affirme. J'adore. Il y a du courage comme un soldat là et on affronte sa peur, on affronte l'adversaire, on affronte tout ce qui vous bloque là, affrontez, soyez courageux. Courageux et fort. Et on vous dit, il faut l'affirmer au fond de vous et vous y arriverez. Voilà mes chers lions, vous êtes forts aussi, hein, signe de lion, signe de feu. Je vous dis merci, partagez, likez si vous aimez et commentez pour partager aussi vos avis. Et je vous dis ciao, à bientôt, ciao, ciao.